Hello les traders rentables, c'est Charles, CEO d'Alti Trading. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revoir les bases ensemble. Je vais vous parler d'un sujet important qui intéressera sûrement les investisseurs débutants et les curieux, puisque l'on va aborder la différence entre le trading et la bourse. C'est un classique, tout le monde est déjà passé par là. Avant de se lancer en trading ou dans l'investissement, il faut déjà intégrer toute la richesse de la sémantique économique et financière. Sur les marchés, les apprentis investisseurs se demandent souvent ce qui différencie ces deux termes. Certes, ils sont proches, car en trading comme en investissement, les objectifs sont sensiblement les mêmes, à savoir placer de l'argent pour pouvoir en tirer bénéfice. Mais ils ont des mécaniques qui leur sont spécifiques, créant une pratique et des enjeux différents. En comprenant mieux ces principes, vous saurez quelle stratégie d'investissement vous convient le mieux. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos de décryptage sur le trading. Alors, bourse, trading, quelle différence? On vous résume tout ça en trois notions clés. C'est parti! Commençons par la différence la plus claire entre ces deux activités, la notion de possession. Est-ce que l'on possède vraiment quelque chose quand on fait du trading? C'est la question que vous devez vous poser pour comprendre la distinction entre le trade et l'investissement. Car quand vous investissez en bourse, vous passez un ordre d'achat pour les actions d'une entreprise donnée, mais vous le faites avec l'objectif de conserver ces actifs pendant plusieurs années pour percevoir des dividendes. C'est du profit à long terme. La différence est là. En trading, la notion de possession n'existe pas. Les actifs négociés sont détenus par les traders pendant un temps dérisoire. Prenons un exemple concret. Si vous achetez des actions d'une grande entreprise pour réaliser un profit de 3% sur 2 jours, vous aurez possédé virtuellement ces actions, mais vous n'en aurez pas vraiment eu l'utilité. Bien sûr, la durée entre l'achat et la vente d'un titre peut varier selon le style adopté par le trader. Les day traders achètent et revendent leurs titres le jour même. Les swing traders, eux, détiennent les positions parfois plusieurs semaines. Mais de façon générale, la possession se fait sur du court terme. Tout est donc une question de temporalité effective de la possession de votre actif. L'investissement en bourse, c'est sur plusieurs années. Vous pouvez prendre l'exemple de Warren Buffett qui a acheté pour 1 milliard de dollars d'actions Coca-Cola dans les années 1980 et qui détient toujours des actions Coca dans son portefeuille 30 ans plus tard. A l'inverse, savez-vous quelle est la durée moyenne de possession d'un produit financier ou d'une valeur immobilière à Wall Street? 22 secondes à peine. Alors qu'il y a 20 ans, cette durée était d'un an et deux mois, si vous nous suivez depuis longtemps, vous devez déjà connaître la raison de cette différence. Elle s'explique par la fréquence particulièrement élevée des opérations de trading. Grâce à la technologie informatique, des opérations automatisées de vente et d'achat de produits financiers ont lieu tout au long de la journée partout dans le monde. Vous comprenez donc qu'en fonction de vos objectifs, l'une de ces deux pratiques ne vous conviendra pas. Ainsi, le trading à court terme permet même avec un faible capital de faire de grands bénéfices grâce à l'effet de levier. À la différence des investissements à long terme qui, eux, nécessitent un plus grand capital et visent surtout à augmenter sa richesse globale sur la durée. C'est à vous de voir, mais renseignez-vous sur les risques encourus. L'effet de levier, justement, parlons-en. C'est la deuxième différence majeure entre le trading et la bourse. Cette notion est en effet propre au trading. Un investisseur ne travaillera pas avec cet effet car il ne cherche pas le profit rapide, alors qu'un trader se sert de la spéculation pour augmenter ses gains. En trading, c'est cet effet de levier qui permet à des personnes dont le capital est assez limité d'amasser des gains beaucoup plus élevés. Même s'il n'a que quelques milliers d'euros de fonds, il peut placer des ordres de plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'investisseur, lui, préférera amasser son capital sur le long terme. Mais pourquoi tout le monde ne profite pas de cet effet de levier? C'est la notion de risque qui change tout. Bien sûr, la spéculation ouvre la porte à de gros gains potentiels, mais attention, un trader est facilement affecté par la variation des cours. L'effet de levier implique donc une prise de risque bien supérieure à un investissement ordinaire, car les pertes peuvent être tout aussi importantes que les gains. Si vous ne possédez pas de gros capital, c'est compréhensible que vous soyez attiré par le trading pour gagner de l'argent, mais cela vous demandera un gros travail de préparation, aussi bien technique que mental. La rapidité, l'anticipation, la patience, les enjeux liés à l'investissement et au trading se traduisent principalement par un rapport au temps tout à fait différent. Enfin, vous l'aurez compris, c'est bien la notion de durée et de temporalité qui distingue le trading de l'investissement. Je vous l'ai dit, le trading est associé à la notion de rapidité, notamment sur des produits comme les CFD, les varants ou les futurs, alors que l'investisseur n'est pas pressé. Il accumule son capital et s'enrichit petit à petit. Le capital monte de façon graduelle. Bref, trader, c'est jouer contre la montre, alors qu'investir, c'est faire de la montre son allié. Mais voilà, vous devez comprendre que le temps qu'il faut dédier à ces deux pratiques n'est pas du tout le même. C'est peut-être contre-intuitif, mais malgré la rapidité exigée et l'automatisation de la pratique, le trading exige beaucoup de temps. C'est un processus très manuel qui demande une présence régulière et un environnement sain. Le day trading, par exemple, peut être considéré comme un emploi à plein temps. Et cela sans compter le temps que vous allez consacrer à acquérir les connaissances et compétences sur l'analyse fondamentale et l'économie. Alors que le temps consacré réellement à l'investissement est beaucoup plus difficile,
diffus. En théorie, quelques instants chaque mois pour gérer son portefeuille, surveiller la bonne réalisation de ses prévisions ou effectuer des arbitrages suffisent. Là encore, c'est à vous de questionner vos objectifs et de déterminer le temps que vous êtes prêt à donner à l'investissement ou à lui laisser. Voilà les traders et investisseurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure sur ce sujet, retenez que l'investissement en bourse s'apparente à un investissement à long terme, permettant d'avoir des dividendes réguliers, tandis que le trading concerne principalement des opérations à court terme, permettant de faire des plus-values immédiates. La différence entre le trading et la bourse tient en trois notions clés, la notion de possession, l'effet de levier, et la notion de temps. Les investisseurs en bourse profitent des actifs qu'ils achètent pendant un certain temps en minimisant les risques, alors que les traders misent sur les fluctuations des cours pour obtenir de gros gains. En revanche, les risques encourus sont plus grands si vous ne vous tournez pas vers des formations adaptées. Alors, que faut-il faire ? Trader ou investir ? Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre avec des formations fiables et complètes et d'entamer un travail introspectif sur vos attentes et vos objectifs. Quel capital possédez-vous? Cherchez-vous un complément de revenus ou des placements pour l'avenir? De toutes ces questions découlera votre profil de trader ou d'investisseur. En tout cas, c'est en poursuivant l'apprentissage de notions clés que vous déterminerez la voie que vous voulez arpenter. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt les traders rentables pour une prochaine vidéo.